L'état de la route n'est pas normal, mais ça fait 3 mois de cela. Mika était déjà sur cet endroit pour essayer d'arranger. Le vrai problème d'ici, c'est un problème de caniveau. Il n'y a pas de caniveau dans cette zone-là pour évacuer les eaux. Et je pense que l'État est au courant de cette affaire. Et dans les jours qui suivent, ils vont prendre note, puisque avant hier, il y avait une entreprise qui était là déjà pour regarder l'état de la route pour voir qu'est-ce qui a lieu de faire. Donc pour l'instant, on est en train de tous réfléchir comment il faut évacuer les eaux là. C'est un problème de caniveau. S'il y avait des caniveaux, il ne devait pas avoir des eaux sur la route. Et que le ministère des TP puisse voir ça vite, le plus vite possible, pour les populations qui habitent ici. Cette route-là vraiment n'est pas praticable. Pourtant ici, nous sommes à Kanda. Vraiment, je suis vraiment très déçu de cette route. Et pourtant, nous sommes dans un pays là où le miel coule, là où il y a tout. On a assez de moyens pour régler ces problèmes. Mais nous ne comprenons pas pourquoi on n'arrive pas à régler ces problèmes. C'est rien ça. En quelques secondes, on peut régler ce problème. Voilà le maire, et pourtant il est élu pour ça, il a du mal à parler. Il dit qu'il est dépassé. C'est pas normal. Et les habitants sont dépassés. Ça fait même pas plus d'une semaine. Il y a une maman qu'on voulait amener à l'hôpital à cause de l'état de la route. Elle a traîné, elle était obligée d'accoucher dans la voiture à cause de l'état de la route. Et pourtant ici, tous les grands messieurs passent par ici là. Les directeurs de cabinet, les ministres, tout passe par là, mais ils ne disent rien. Et nous sommes déçus. Ici, nous sommes à Kanda, au marché, premier campement. Donc nous voulons que l'État puisse faire quelque chose. Venez nous aider. Vraiment, nous sommes abattus, nous sommes accablés. L'état de la route, ce n'est pas ça. C'est rien. En quelques secondes, on peut régler ça. C'est rien. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Nous avons assez de moyens. Le Gabon, c'est un pays béni. Nous avons assez de moyens pour régler ces problèmes-là. Les moyens font dans des choses. Venez nous aider.